Et salut à tous! Donc aujourd'hui, premier épisode du Coury Club. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc premier épisode, on va accueillir progressivement les différents participants que j'ai pu regrouper autour de cette table. Donc le but va être principalement de faire un petit jeu type télévisé et principalement des questions à thème pour les différents participants. Donc, on va accueillir déjà le premier participant, donc notre très cher Toumouche. Salut. Comment ça va, Ce Toutou? bruit. Ah ben, Ben putain. Tout mouche, c'est bien aussi. Écoute, ça va et toi? ça va, alors t'es prêt pour déglinguer tes adversaires? Bah, je suis prêt déjà. C'est un bon début. Et après, on va essayer de pas se faire sortir en premier. C'est le plus important. C'est le plus important, en effet. Ensuite, le second et non des moindres, ça va être Aza, que je dois démute. Comment ça va, Aza? Hello, hello Comment ça va? Ça va bien, je préviens tout de suite, j'ai des groupes, j'adore t'entendre en double, ça me donne un super larsen. Ah bah, c'est à ce que vous me mettez Ça le c'est manque fait pour que aujourd'hui. en 2 fois, c'est largement suffisant. T'es prêt pour gagner, répondre correctement à toutes les questions? Ah bah, j'espère, vu que sinon tu m'as menacé en MP, mais on va faire ce qu'on peut. Ah bah clairement, hein, tu me donnes toutes tes ghosts toutes tes Ça tombe bien, goldoras. j'en ai aucune. Ça marche. Donc le prochain, ça va être notre très cher Louis. Comment ça va, Louis? Ça va bien, hormis le fait que j'ai très 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 peur, Faut mais pas ça va, avoir ça peur, on ne mange pas les gens ici, on les dévore avec délectation, donc au pire des cas, tu ne souffriras pas, t'inquiète pas. Non, mais j'ai clairement un outsider, mais c'est pas grave, je vais assumer ce rôle. Ouais, c'est toujours bien, ça marche. Ensuite, nous avons notre très cher Twix gauche, pas le droit, le gauche. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va, t'es prêt? Ouais, bah on va faire en sorte de faire que Thomas parte dès le premier round, comme ça au moins. Ah, ça commence déjà à tacler les adversaires. On sent que les parties de Duel Links n'ont pas rendu aimable notre très cher Twix gauche. Hein, Bah surtout que le dernier duel, ça a été une défaite, c'est donc voilà. Ah, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est ça, la KCGT, c'est soit on gagne, soit on perd. Hein. Mais c'est ça de pas jouer Harpie. Hein. Je l'ai déjà dit. Ça marche. Allez, le prochain intervenant, participant même carrément, ça va être Astro. Cosmique, comment ça va? Salut tout le monde, bah ça va très bien. Écoute, je suis là pour casser des bouches aujourd'hui. Par Oh. contre, ça me rassure pas trop d'être dans les deux Kuribos qui sont sur la droite. J'ai l'impression qu'on me voit déjà perdre le premier round. Je dis ça comme ça. Ah, techniquement, vous êtes 8, hein. Aujourd'hui, vous êtes que 6. Donc, techniquement, il y en a 4 à gauche, 4 à droite. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de favoritisme pour ceux de gauche, apparemment. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme de modifier tout le setup. Mais bon, t'es le courrier noir, tu vois. Le courrier noir, c'est le plus violent, tu vois. C'est pas. Ah bon, ça va, je suis rassuré. C'est déjà pas mal. Hein. Contrairement à Twix gauche, c'est le Kuribo sanguinaire. Et Louis, c'est le Kuribo qui se frotte un peu dans l'herbe. Donc, un peu Mac and Peace. Donc, tu vois, ça, faut pas avoir peur. Ça marche, ça marche. Et le dernier, notre très cher Mattel, comment ça va? Hello. Bah ça va, tranquille. Ça va tranquille? Ah, il est pas très violent, hein. Franchement. Au moins, contrairement aux autres, Peace and Love. Non, 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 non. Bah, moi, je suis absolument pas prêt, contrairement aux autres. Donc j'ai hâte de commencer. Ah, mais en fait, j'ai oublié de préciser en off, en fait, personne n'est prêt. Hein. Moi, un peu, mais juste un peu, Non, mais tu ils vois. sont tous chauds et tout, mais je suis impressionné, hein, parce Ce que. n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une façade. Ouais, c'est juste parce qu'il Oui, y a la voilà. canicule, là. Ouais, c'est qu'en fait, ils savent à peu près le niveau de mes questions difficiles, donc ils savent déjà qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Donc ils essaient d'intimider les adversaires Tu pour tentes. éviter de minimiser le score des adversaires, pas d'essayer d'augmenter leur score. En fait, c'est surtout En fait, on gagne quoi en fait? Vous avez le droit Je sais après pas de quoi. vous taire, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que si vous êtes Ah, perdant, vous vous taisez. Si vous êtes vainqueur, vous vous taisez. C'est super. Je trouve ça plutôt pas mal. s'en fout là. Alors pour le moment, rien à gagner. Peut-être sur le long terme, il y aura quelque chose à gagner. Là, c'est principalement pour s'amuser. Après, moi, je propose que les 2 premiers qui sont jartés auront un gage, hein, forcément, lequel, j'en sais rien.
si ce sont des personnes que je côtoie tous les jours, ça, je leur trouverai un gage. Si c'est des personnes que je côtoie une fois tous les mois, ça va être un peu plus compliqué de trouver un gage efficace et pas cher. La meuf que tu préfères. Exactement. Allez, ça passe pour la première manche. Donc l'araignée à roulette. L'araignée à roulette, donc chacun des joueurs va avoir une roue, la roue, la courirou, ou la, l'araignée à roulette, ça dépend de comment est-ce que vous voulez l'appeler. Je préfère la courirou, qui va tourner et qui va décider chacun leur tour de nos joueurs, la, enfin l'épreuve sur laquelle ils vont être interrogés. Donc je vais juste demander aux participants de se mute. Principalement quand ils doivent pas intervenir pour qu'il y ait juste le premier qui, enfin celui qui, l'intervenant qui, enfin, le participant, je vais y arriver, qui puisse répondre, parce que ce serait un peu dommage que vous donniez la réponse à votre adversaire. C'est vrai que votre adversaire peut en avoir parfois besoin. D'ailleurs, en parlant de points, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les scores. Alors les scores, enfin les points, je vais y arriver. Les points, donc on va commencer par Toumouche, qui a pour le moment 0 points, comme tout le monde. Donc on va lancer ta roue, Toto. Est-ce que t'es là? Allez, c'est Tipar. Hein. C'est Tipar. Oh, allez, hop. Pendant ce temps-là, je vais remettre les scores d'affichés à chacun. Le Couritrigo, le fameux... que personne n'a envie de tomber dessus apparemment, hein, mais il faut bien qu'il y en ait un qui inaugure le Couritrigo. Est-ce que t'es prêt, Toto? Non, sur malentendu, ça peut passer. Ça peut passer, en effet. On va commencer un peu soft quand même, donc je vais juste présenter ce petit jeu à, notre, à nos auditeurs. En gros, je vais poser un calcul mental qui va faire intervenir donc l'attaque, la défense, le niveau, le rang de monstre de Yu-Gi-Oh! Et notre très cher, donc ici Toumouche, va devoir faire soit une addition, une soustraction, une division ou même une multiplication. Donc on est parti. Bien évidemment, le temps, il n'y a pas une limite de temps, bien évidemment, il faut rester raisonnable. Hein, je ne vais pas attendre 15 ans, hein, sinon, database, into calculatrice, etc., c'est bien évidemment abusé. Non, que de la tête, que de la tête. Que de la tête, ça marche. Allez, on va commencer par un calcul assez simple, notre très cher Toumouche. Quel est, combien fait l'attaque du dragon blanc aux yeux bleus divisé par la défense de bébé Serrazor? Bouge pas. 2. Donc ta réponse était 2, c'est dommage, c'est 6. Putain de Giordino. Le dragon blanc du bleu a 3000 d'attaque, le bébé Serrazor a 500 de défense, c'est dommage. Hein. Je joue Dino en 2021, je suis désolé de le dire, mais moi il faut grandir. La bannière n'est pas encore tombée, hein, donc... Mais je le dis quand même. Donc voilà, bah c'est dommage, hein. Première tentative de Toumouche sur les deux potentiels... qui fait 0 point. Donc on va passer à notre deuxième participant, Aza. Aza, est-ce que tu es là? Ouais, déjà j'avais la réponse de Toumouche, donc je pars confiant. Tu pars confiant? Bah attends, parce que là c'était le Couritrigo, mais qui sait sur quoi tu vas tomber? Si c'est encore du Couritrigo, je commence à... Le Courimélo. El famoso Courimélo. Donc le Courimélo, pour expliquer là encore à nos auditeurs qu'est-ce que c'est, eh bien tout simplement, Kuribo a pris une carte monstre, il a découpé les lettres du nom de cette carte, il les a mis dans un sac et il les a mélangées, et faisant donc un nouveau mot de la langue française. Bien évidemment, il n'a pas mis les espaces, hein, parce que Kuribo... Il maîtrise pas forcément bien le français, etc. Donc l'espace, il connaît pas forcément ce caractère-là. Mais donc, voilà. Donc juste, je vais vérifier que j'ai bien préparé... Ouais, parce que là, c'était évidemment préparé à l'arrache. J'avais mis... Une pro template incoming. Ah ouais, non mais... j'avais préparé, mais en fait, le souci étant que j'avais laissé le test... Donc tu es prêt? Donc tu dois retrouver le nom. Et je te laisse donc retrouver le toute nom. Génération. Toute génération confondue. Ouais.
Ok. Alors, quel est le monstre caché derrière E-D-I-E-R-A-R-A-X? Alors, j'aurais aimé dire Xanax, mais je pense que ça passe pas déjà. Je vois un pattern. Ah là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que le calcul mental, parce que le calcul mental, on peut... C'est le nom en anglais ou en français? En français, en français. Ah, oui, j'ai oublié de préciser, le nom est toujours en français. Il va me falloir une réponse. Non, malheureusement, non, j'arrive pas. Eh bien, la réponse, c'était Axe Raider. Ah ouais, c'est pas des monstres les plus récents. Hein. Non, en fait, sans les espaces, c'est vachement dur. Ah bah ouais. Bah Kuribo, c'est un vicieux. Hein. Franchement, la prochaine fois, je vais lui mettre une petite fessée. Mais le problème, c'est... Au prochain, hein. Ça marche. Est-ce que Louis, tu es là maintenant? Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah on est parti pour la tentative. Hein. Peut-être le premier point gagné ce tour-ci. Espérons-le, espérons-le. Un petit courri quiz, ça ferait plaisir. Alors je précise, on peut passer dans le négatif. Hein. Le DJ Koury. Ah, alors là, c'est mon épreuve préférée. Donc déjà, je vais te laisser aller directement sur le Twitch pour avoir le son qui va intervenir. Tout est bon de mon côté. Tout est bon. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, etc., je vais préciser le jeu. En fait, notre très cher Louis va avoir quelques secondes, mais vraiment quelques secondes. Alors, quand je dis quelques secondes, ça peut être genre 2 secondes, comme ça peut être 15 secondes, hein, parce que des fois, ça dépend du passage. Et en fait, d'un passage de Yu-Gi-Oh! Et plus précisément, soit un cri de monstre, soit la VO d'un personnage de l'anime. Bien évidemment, c'est pas un personnage qu'on voit que 2 secondes dans l'anime, c'est un personnage un minimum récurrent. Hein. Je vais pas prendre un personnage un peu lambda. Donc, si tu es prêt, eh bien, on est parti. On va prendre une chose assez sympathique. Est-ce que... Alors, oui, c'est bon, c'est juste qu'avec le délai du live, ouais. C'est un peu long. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu veux que je repasse? T'as le droit à 3 écoutes. Alors, j'ai pas entendu. Alors, d'accord. Je suis désolé. Alors, je vais repasser. Est-ce que t'as entendu, là? Ok, c'est un truc toon, ça, je reconnais. Peut-être, mais si c'est un toon, le Kales. Oh, quelle horreur. Est-ce que ça peut être... Une autre tentative? Tu veux réécouter une dernière fois? Peut-être... Non, écoute. Je vais jouer vos jeux avec 2 tentatives, je vais dire le monde des toons. Le monde des toons. Eh bien non! Eh bien non, c'était le dragon blanc aux yeux bleus Toon. Et oui, j'ai mis le dragon blanc aux yeux bleus, mais pas la version classique. Et oui, je suis vicieux. Non, mais intéressant. En tout cas, j'étais plus proche que mes camarades précédents. Donc, ça va. Ouh, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Ah, ça mériterait presque un tonne, celle-là. 0, ça fait toujours 0. Hein. Allez, on va passer au suivant. Twix, Twix, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là et j'ai entendu ce que vient de dire Zaza. Oui, c'est moi. Donc, on est parti pour lancer ta roue. Allez, vas-y. Ah, si on peut avoir que des jeux différents, ça peut être cool. Sinon, on fait un truc. Ouh, le Koury Quiz. Ouh là 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 là. Potentiellement, des points négatifs vont apparaître parmi nous. Donc, précision à chacun. Donc, je vous conseille, c'est principalement de view mute tous. Puisqu'en gros, c'est le seul jeu où justement il va y avoir un peu de compétition entre nos participants. Je vais laisser quelques secondes. Normalement, c'est déjà bon de savoir si tout le monde est sur le lien pour le buzzer. Et tout simplement,
Dès que je donnerai le top départ, la personne pourra buzzer. Je m'arrêterai à ce moment-là de la question. Il aura un certain nombre de secondes pour répondre. Au bout de ces secondes passées, soit il aura juste, soit il aura faux. S'il a faux, il n'aura plus le droit de buzzer. Il n'aura plus de possibilité de buzzer. Par contre, étant donné que c'est la compétition, bien évidemment, eh bien, les points vont dépendre. Donc si c'est notre Twix gauche, le participant de cette roue actuellement, répond correctement en premier à la question, il va gagner non pas un, mais deux points. Et par contre, si c'est un de ses adversaires qui prend la bonne réponse en premier, Twix gauche va perdre un point et va déjà rentrer dans le négatif. Hein. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc je vais juste... Alors évidemment, il y a une personne qui vient de tenter de buzzer. Évitez de buzzer avant que je pose la question. Donc, je vais vous poser une question, donc à vous six, à mon top départ. Top, comment s'appelle le seul monstre mercé fourrure de niveau 1 ? Alors, hop, je vais juste faire loquer le toggle. Ok, donc c'est Twix qui a d'abord buzzé en premier. Twix ? Eh bien non, c'était pas Bit, merci fourrure, dommage. Donc je vais renettoyer les buzzers. Donc Twix, tu ne peux plus buzzer, et maintenant les autres peuvent buzzer. Ok, donc Ava, c'est toi de proposer. Filio. T'as dit quoi ? Filio, merci fourrure. Filio, merci fourrure. Tu dis Philo ? Philo, ouais. Philo, merci fourrure. Et malheureusement, c'est une bonne réponse. Donc, on va avoir un point négatif pour Twix gauche. Aïe, 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 aïe. C'est pas comme au golf, c'est pas celui qui a le moins de points qui gagne. Malheureusement, non. Hein. Franchement, désolé pour toi, mon ami. Tu vas déjà rentrer chez toi rapidement. C'est dommage, hein. Je voulais te poser des questions sur ton thème. La victoire sera que plus belle. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, on va passer à notre courrier noir. Donc, Astro Cosmique, est-ce que tu es là ? Je suis là, je suis là. Tu es là, j'ai peur. J'avais oublié de me démute. J'ai peur. Alors, j'ai juste, d'ailleurs, en parlant de mute, ouais, j'ai bien bloqué le buzzer pour éviter d'avoir des petits coquins qui buzzeraient en plein milieu. Donc, voyons voir quel mini-jeu tu vas faire. Allez, c'est parti. Ah, mon deuxième chouchou au niveau des jeux. Donc, Oui, c'est les pixels, ça. Ouais, alors pixels, c'est un bien grand mot. Donc, oui. En fait, Kuribo, là encore, a pris une carte. Il a découpé simplement la partie de l'artwork d'une carte. Il l'a mis sur Gimp. Et Kuribo est un grand farceur. Il aime bien toucher à tout. Et il a mis un filtre Gimp dessus, modifiant ainsi l'artwork. Alors, bien évidemment, c'est pas un simple filtre noir-blanc, etc. Hein. Il y a plein d'autres filtres. Donc il s'est assez amusé. Est-ce que tu es prêt ? Mais oui, je suis prêt. Alors par contre, du coup, l'image elle va se mettre sur le live. Hein. Il faut que je regarde le live. Alors le live... Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous partager le... Ouais, bah, sur le live, ouais, vas-y. Il n'y a pas de souci. Juste, hop, je vais la mettre. La voilà d'afficher. Ok. Ouais, je l'ai. Je l'ai. C'est... Ah putain, j'ai que le nom en anglais. C'est l'entité Entes. L'entité Entes ? Eh ouais. Bien oui, c'était l'entité Entes. Ça va. Yes. C'était pas forcément un jeu très compliqué, en tout cas pour le moment. Je pense que tous tes collègues sont verts de rage. On est dans la graine, messieurs. C'est comme ça qu'on gagne. Allez, c'est parti. Ah, on sent la compétition, dis donc. Hein. Mais on est là pour ça. Et c'est encore plus amusant de gagner. Donc forcément, comme on est là pour s'amuser... Exactement, bah ouais, bah moi en tout cas, moi je m'amuse à vous voir galérer. Hein. Ça me fait chier que tu le trouves rapidement, mais bon, voilà. Hein. Je préfère avoir des réponses fausses. Voilà. Bon, maintenant on va passer au tour de Mattel. Mattel, est-ce que tu es là ? Si oui, tape deux fois. Tu es là, ok, super. Donc on va tourner la petite roue. La roulette qui va.
Oh, encore Corrie Gimp. Purée. Je ne sais pas si elle est généreuse ou pas, mais. Donc, bah voilà, toi-même, tu sais maintenant comment est-ce que ça marche, hein, puisqu'on vient juste de faire le même mini-jeu. Donc, je vais te laisser un petit moment, et puis tu me diras quel est le nom de la carte selon toi. Putain. Ok, vas-y, ouais. Vas-y, je viens de la mettre. Je dirais que c'est du Picasso déjà. Ah oui, bah. Kuribo est un artiste incompris. Hein. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Utopie double? Tu dirais Utopie double? Le fameux numéro ouais, 39? Non. Eh bien oui, c'était Utopie double numéro 39. Ah bon, c'est un peu simple, dis donc, là. Hein, je t'avoue que j'étais pas prêt. T'étais pas prêt? Ouais, mais bon, t'as quand même le petit point tranquillement. Hop, voilà. Bon bah voilà, hein. Bon, va falloir que je mette, que je demande à Kuribo de mettre des cartes un peu plus compliquées quand même, hein, parce que là, c'est, je sais pas, vous trouvez facilement. Après, si tout le monde les a, tant mieux. Mais... Ouais, attends, on est que deux en positif quand même. Oh non, vous êtes techniquement 5, hein. 0 c'est positif. Hein. Bon allez, deuxième round, et là donc la potentiellement la seule, selon les points et selon le nombre de fois où la roue tourne, potentiellement une autre troisième round. Hein. Mais techniquement, c'est potentiellement la dernière. Hein. Donc, est-ce que Toumouche est là? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Oula, ça sent la dépression, là. Non, non, mais écoute, il y a des gens qui ont eu des images, qui devaient trouver Utopie double, NTS, et puis il y a des gens qui devaient connaître les défenses de tous les monstres dinosaures. Oh, simplement Bébé Cérosaure. Hein. Bébé Cérosaure. Moi, je sais juste que je peux passer si j'ai pas couru quiz. Ah, le Kuriquote, le dernier jeu. Ah, vu comment est-ce que la roue a l'air sympa, je pense qu'on va potentiellement faire une troisième round. Donc la Kuriquote, tout simplement, Kuribo me souffle dans l'oreille une citation d'un des personnages de l'anime de différentes saisons. Bien évidemment, par exemple, je crois en l'âme des cartes, etc. Et donc, toi, Toumouche, tu vas devoir me donner le nom du personnage en question. Je ne demande pas la saison, je demande encore moins l'épisode, je demande moins la situation, hein, je ne demande pas aussi c'est en plein duel, etc. Mais je veux simplement savoir quel est le personnage. Et donc, je vais te demander de quel est le personnage qui dit « Ah oui, et où avais-tu laissé ta science quand tu as perdu dès le premier round ?» Ouais, c'est... Yu-Gi-Oh, c'est violent hein, au niveau punchline. Hein. Putain, qui parle de science? Si tu veux, je peux te la répéter. Vas-y, répète. Ah ouais? Et où avais-tu laissé ta science quand tu as perdu dès le premier round? Qui a perdu dès le premier round? Alors je précise, tu peux simplement décrire un personnage si t'as pas le prénom, hein, ça me suffit. On est d'accord, ça peut être sur tous les trucs du coup. Ah, c'est de Duel Monster, saison 1 à. Alors je suis gentil, j'ai pas mis Sevens, hein, mais. Ok, écoute, totalement au pif et uniquement à l'instinct, je vais dire Jack Atlas. Tu vas dire Jack Atlas. Tu vas dire Jack Atlas. Alors déjà, je vais préciser, c'est la bonne saison. C'est bien dans 5-10 qu'on a cette petite punchline. En effet. C'était obligé que c'était pas. C'est du 5-10. Par contre, c'est pas le bon personnage. C'était... J'en connais deux de personnages. C'était Lucas, c'était la petite fille, la jumelle entre les deux, qui sort ça à son petit frère. Ah, voilà, on sent l'amour fraternel qui émane forcément de Yu-Gi-Oh! 5-10. Ah bah ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup cette citation, franchement. Et Dieu sait qu'il y en a plein de punchlines dans Yu-Gi-Oh! La prochaine fois en tournoi, tu pourras dire sur ça. Sur quoi, écoute. La prochaine fois en tournoi, je vais me taire. Ouais. Ça marche. Passons à Aza. Aza, est-ce que tu es là? Ouais. Ouais, allez, on va tourner la roue. Un petit court et quote, là, moi je suis chaud. Hein. Jouer à destin pour changer de vie. Ah! 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 Le courri trigo! Il me semble qu'il y a certaines personnes qui sont moquées un peu de zéro, etc. Non, ça va se retourner contre moi. Non.
Dis-moi, mon petit Aza, quelle est la différence entre la défense de Lappy Murphy et l'attaque de Puppy Murphy? Puppy Murphy? Ouais, défense de Lappy avec l'attaque de Puppy. 1800. Alors, Lappy Murphy a combien de défense? Il a 2000. 2100. Il a 2100. Merde! Et l'autre, il a, je lui ai donné 200, du coup. Ça... Et la défense était... De... Enfin, l'attaque de Puppy Murphy est de 100. Donc, la différence était de 2000. Ah, bah voilà, 0 plus 0, ça fait la tête de Nico. Hein. Alors voilà, ah, la troisième round va peut-être vous aider, hein. Peut-être faire une troisième pour dépasser les zéros. Moi, je m'amuse beaucoup en deux cas. Louis, tu es là? Toujours, toujours, toujours. Allez, allez. Voyons voir sur quel jeu tu vas tomber. C'est angoissant. Hein. Tu vas être l'expert. Moi, je sais pas encore. Oh non. Ah, tu sais pas du tout. Bah, tu vas tomber sur le DJ Curry. Tu vas être l'expert des sons de Yu-Gi-Oh! Toi, c'est, je le sens. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Donc, je vais te passer donc, une bande sonore. À toi de me dire qu'est-ce que c'est comme monstre ou personnage. C'est un peu long, hein, je suis d'accord. C'est pour essayer de donner le plus d'indices potentiels, puisque c'est pas forcément simple. Je pense que tout le monde a remarqué que c'était forcément un personnage. Oh, c'est dur, hein. Ah bah... En plus, ah ouais, c'est la VO et tout. Oh, je sais pas. Hein. Tu veux réécouter un petit passage, peut-être pas entier, mais... Allez, vas-y, remets-moi un petit coup. On va remettre le début. Duel Monsters a watashi no tsukutta game. Sono monster ga jittai ka shite, sekai juu de panikku o okoshite iru. Ouais, ouais, c'est pas simple. Hein. La VO est très différente de la VF. La VO est très différente de la VF. Bon, bah, je crois que ça sortira un nom au pif. Hein. Au moins, je sais que c'est un perso. Qui pourrait avoir cette voix-là un peu... En japonais. C'est vrai que, bon, certes, j'ai donné un disque que c'était un personnage, mais il n'y a pas souvent des monstres qui parlent pendant à peu près 15 minutes hein, quand ils sont invoqués. Ouais, c'est une belle tirade hein, si c'est un monstre. Mais non, je. Écoute, allez, pour rigoler, on va dire Professeur Crawler. Le Professeur Crawler. Ah bah, contrairement à ton cher camarade Toumouche, t'as même pas le bon arc. C'était dans Duel Monster, c'était Pegasus. C'est okay. Pegasus qui a cette voix-là, un peu infantile, un peu féminin, qui est très différente de la voix VF, hein, qui nous marque. Effectivement. Et ouais, ouais. Ah, c'est sûr que si tu n'as jamais entendu de VO... j'ai écouté très peu de VO sur Yugi, mais... Ah bah c'est... La VF n'était pas du tout. Ah ouais, ouais. Bah ouais, mais c'est le seul personnage où la différence entre la VO et la VF est vraiment très différente, en tout cas de ce que je connais. Je suis toujours en positif. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est le côté positif de la chose, pour parler poliment. Donc on va passer à Twix Gauche, Twix Gauche. Tu es là, super, donc on va lancer la route. Ouais, mais là je sens qu'il y en a qui se foutent un peu de ma gueule. Hein. Sachant que 0 c'est pas positif ni négatif. Hein. Ah, c'est les deux techniquement. Ah, tiens, le Kuri Gimp, tu vas peut-être pouvoir repasser à 0. Ça dépend, j'avais que Lightning double. J'avais pas M-Test alors. Ah, c'est bête, pour rester poli. Ouais. Donc je vais te mettre l'art de notre très cher Kuribo, qui est un pixel cette fois-ci, un pixel art. Et il faut retrouver quelle carte se cache derrière ce pixel. Merci Mika Seber.
pas mal, mais je pense que mes très chers participants ont un peu de mal. Quelle carte est cachée derrière celui-ci ? Alors bien évidemment, vous n'avez qu'une seule étape, vous n'avez pas... À ton avis, j'ai besoin d'une réponse. Bah, allez, je vais te dire Camoulox. Camoulox, qui est une très bonne carte, hein, qui a failli être bannie d'ailleurs en le 30 février de l'année dernière. Hein. Et en fait, c'était la carte raisonnement. C'était la carte raisonnement. Oh, mais oui. Ah, bah, le Corey Gimp n'est pas toujours simple, hein, bien que certaines personnes considèrent que c'est simple. Il y en a qui sont simples, Pourquoi tu m'as pas mis, tu vois, un petit. Comment ça s'appelle ? Lightning Doom, tu vois ? Bah, tu restes à moins 1, t'es pas à moins 2, c'est déjà pas mal. Ouais, bah, en même temps, on va pas descendre plus bas pour le moment avec quiz. Pour le moment. Allez, on va passer à Astro Cosmique. Tu es là ? Je suis là. Allez, on lance la roue. Non, il n'y a pas de lot en tout cas à gagner. C'est pour le moment juste la gloire. Ah, et bien le Coury Quiz. Oh là, putain, je peux perdre un point. Pardon, excusez-moi. Je vais dire purée, bien entendu. C'est la pression. Il n'y a pas de souci. Donc je rappelle pour les personnes qui. Oui, c'est très facile. Pour ceux qui rejoignent le live, c'est. En effet, c'est une première session, ça n'a pas été défini. Donc pour ce quiz, donc là, c'est la seule épreuve où tous les joueurs vont s'affronter. Et donc ils vont avoir un buzzer. Et donc le premier qui va buzzer va pouvoir répondre convenablement. Si notre très cher Astro Cosmique va répondre correctement, il peut gagner 2 points. Si c'est un de ses adversaires, il perdra 1 point. Et si aucune bonne réponse n'est donnée, eh bien dans ces cas-là, écoutez, il n'y a rien qui gagne, il n'y a rien qui est perdu. Hein. Donc tout le monde est bon sur le. Qui est prêt pour le buzzage ? C'est bon. Il y a un peu des pré-shots avant même, ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêts, mes amis ? Eh bien, Kuribo me propose de vous demander, top, quel est le rang d'origine maximale qu'on peut trouver chez un monstre X-Seas en OCG ? 12. Astro Cosmique, tu dis 12 ? Donc, ouais. Tu dirais que 12 est le rang maximal d'un monstre X-Seas en OCG. Ouais. Eh bien, la réponse, c'est non. Asa ? C'est 13. Et oui, c'est numéro IC-1000, Numéronus, Numéronia, qui est sorti le mois dernier, qui est de rang 13, qui demande un certain nombre de monstres de niveau 13, mais qui s'invoque grâce à une rank-up. Et voilà, ah. Hein, c'est... Bon, bah, retour à la case départ. Ah, mais c'est pas bien grave. C'est... Vaut mieux ça que être à zéro. Hein. Ah bah non, tu es à zéro. Je suis à zéro. Mais je suis pas à moins un comme certains, c'est déjà pas mal. Ah, attends, si on fait une autre round... Ouais, mais c'est pas toi qui as répondu, je crois. Allez, le tour de Mattel. Mattel, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Ouais, tu es là, super, on va lancer la roue. Pour éviter de perdre le plus de temps, parce que bon, ça fait déjà une demi-heure. Ça marche, Mika Cyber. Je verrai pour réfléchir. Encore le Kurigimp. Ah non, mais vous m'embêtez avec le Kurigimp. Donc, Kuribo. Pour ceux qui connaissent et qui reviennent rejoindre, c'est à peu près la même chose que les pixels dans Radio Yu-Gi-Oh! De notre cher Zulu, mais différent. Donc, c'est tout simplement un filtre. Donc, tu es prêt, Mattel ? Ouais, vas-y. Je vérifie juste que j'ai pas mis la réponse en premier, quand même. Ce serait un peu dommage de te donner la réponse au tout début. Non, c'est bon. Eh bien, je vais t'afficher le filtre. Attends que ça arrive chez moi. Oh putain. C'est un très beau monstre. Ou une très belle magie. Ou une très belle piège. J'ai une vague idée, mais alors là... Ah bah... Moi, je le vois, mais c'est normal, hein, de un, parce que ouais, la réponse... Ouais, était... Forcément, ouais. Forcément. Si, je le vois, mais il y a plein de tâches dessus, et du coup, je vois rien. Ah bah voilà. Hein. Alors pour ceux qui sont daltoniens, c'est pas forcément facile. Hein. Ouais, les épileptiques, c'est vrai que l'image bouge pas. Mais... Donc réponse ou pas réponse Non, là, je l'ai pas.
je vois pas. Tu ne l'as pas, et bien donc pas de réponse, pas de points gagnés. Et c'était l'hyper bibliothécaire Tech Genius. Évident. Ouais, okay. évident. Je ne l'ai jamais joué, je ne l'ai jamais eu en face de moi. Ah bah voilà. Bon bah vu les scores très serrés, je pense qu'on va devoir faire une troisième round, hein, parce que il y a quelques égalités. Donc on va demander si Toumouche est là. Je suis là, c'est mon moment. C'est ton moment, allez, on va voir. Est-ce que tu vas enfin gagner ton premier point ou pas ? Je change de live parce que je suis. Je crois que Kuribo ne t'aime pas. Je te mets sur quoi ? Le Kuriquote. C'est mon moment. Donc, allez. Une citation. Tu me donnes le personnage. Et est-ce que ouais, tu vas me. Oui, bah forcément, tu le connais, hein. Donc, Kuribo apparemment me dit qu'il est un peu gentil avec toi, parce que comme tu as eu du mal à trouver Lucas au première citation, il va donner un truc un peu plus simple. Mais la citation dit « Mais comme je ne suis pas encore un de leurs élèves, ils ne pourront pas me renvoyer. » C'est... J'ai pas son nom en français. Alors, tu peux le sortir en autre langue, hein, si tu veux. Ou me le décrire. C'est... Attends, c'est Jaden Yuki. Tu dis Jaden Yuki ? Le fameux héros de GX ? Oui. Eh bien, c'était une bonne réponse. Putain, j'avance. Ça allait pour ma mère. Et oui, c'est Jaden Yuki au tout début de l'épisode 1 qui sort ça, puisqu'évidemment, il se réveille en retard, mais comme à son habitude. Donc on va demander maintenant à Ada, est-ce qu'il est là ? Ouais, et avant de commencer, je demande réclamation sur la question précédente qui m'a été posée. Pourquoi ? Quelle est la réclamation ? On a dit défense de Lapi et attaque de Puppy, et ça fait bien 1800. Ah, je vais voir ça tout à l'heure, mais... Puppy Malfi, hein ? Puppy ? Il a combien ? 100 d'attaque, et l'autre qui a 2100 de défense. 1800. Je vais vérifier ça tout à l'heure. En tout cas, t'es tombé sur le Kurigimp. Tu es tombé sur le Kurigimp. Ouais. Le Kurigimp. Et donc, la voici. Alors, je pense que je vais aller chercher. Ah ouais, plus fou, tu meurs. Hein. Ah bah... Le plumeau d'Amarpi. Ouais. Tu penses que Kuribo pourrait mettre une carte qui vient de sortir quasiment de la banniste. Alors, je viens de vérifier. En effet, Puppy a bien 300 attaques. En effet, je me suis trompé entre l'attaque et la défense. Donc déjà, tu as un point, certes, pour le Kuritrigo de tout à l'heure. Et donc, tu dis le plumeau de Damarpi. Ouais. Et... C'était le plumeau. C'était en effet le plumeau de Damarpi. Donc, bien joué. Donc, ça va être ton deuxième point suite à l'erreur qui a été corrigée. C'est aussi l'intérêt de faire du live, c'est pouvoir corriger les erreurs en temps réel. Louis, est-ce que tu es là ? Oui. Ouais. Tu es prêt pour gagner ton premier point ? C'est tout ce que je me souhaite. Hein. Bah, je te le souhaite, hein, bien évidemment. Donc, que la roue tourne et va tomber encore sur le Kuriquote. Oh là là. Dis donc, ils se sont inspirés, Kuribo, en ce moment. Donc, le Kuriquote, donc une petite citation, comme tout à l'heure, très cher Tomouche nous a trouvé des personnages, oui ou non. Donc, tu vas avoir une citation qui va être. Il n'y a rien de pire qu'être perdu, à part être affamé et perdu à la fois. Qui dit ça ? Ah, Haha. Ok. Donc, comme d'habitude, tu peux le décrire hein, si tu n'as pas le nom. Ouais, alors je pense que j'ai ciblé GX au niveau de l'arc. Alors, parce qu'il me semble qu'à un moment, ils sont perdus dans la forêt ou. Truc comme ça.
Alors, se perdre dans la forêt, c'est un peu le propre de Yu-Gi-Oh! Hein. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, du coup, j'aurais dit peut-être un... alors, comment il s'appelle celui qui joue quoi là, dans VX? Celui qui joue quoi là? Celui qui s'appelle Charlie? Ouais. Tu dirais Charlie, donc. Tout ça, parce que ça parle d'Ourinsure, donc forcément, c'est Charlie. Bah, alors, c'était bien GX, en effet, bien que dans Duel Monster, par exemple, il se perd dans la forêt. Alors, ça pourrait être Sacha, en effet, Mattel, j'y ai pensé aussi. Le burger affamé, pourquoi pas. Mais en fait, c'était Jaden, en fait. Tout simplement. C'était tout simplement Jaden. Mais ouais. C'est un moment où ils cherchent tous Jaden, et on voit quelques bribes de passage où, justement, Jaden essaie de retrouver son chemin. Et il y a un moment, tout début d'un épisode, où il sort cette phrase-là. Comme quoi, eh ben, y a rien de pire qu'être perdu, à part être affamé et perdu à la fois. Et on lui donne quoi? Des magazines. Et donc là, il est tout triste parce qu'il voulait des bananes. Ah oui, c'est vrai, ok. Voilà. Bon, bah voilà. Et ouais. Ah bah, pas forcément simple, pas forcément très compliqué. Ça dépend si on a référence. Est-ce que Twix, tu es là? Ouais. Eh bien, on va tourner la roue. En tout cas, j'espère. Ouais, peut-être. J'espère en tout cas que les spectateurs s'amusent bien et qu'ils trouvent bien plus de bonnes réponses que les participants. Ah, le Courimélo ! Ça faisait depuis longtemps, le Courimélo. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du live, tout simplement, Kuribo a mélangé les lettres du nom d'un monstre et va le présenter ici. Et il va falloir le retrouver, enfin monstre, magie ou piège, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément des monstres, une carte Yu-Gi-Oh, tout simplement. Par contre, il faudra faire attention puisqu'il n'y a pas forcément les espaces. Donc, est-ce que tu es prêt? Twix? Ouais, bah, j'attends sur le live. Très bien. Voilà les lettres. Est-ce que tu trouves la carte cachée derrière Era et Paim? Bien évidemment, c'est référence à une carte en français, hein, c'est pas un nom en québécois. Ah merde, je pensais quand même. Et Raid Baim. Ah là là. Alors, si le chat, vous l'avez, vous pouvez dire si vous l'avez sans donner la réponse, mais est-ce que vous l'avez? Franchement, évidente, non? En fait, c'est ton jeu, il a un truc contre moi, c'est pas possible. Je crois que... Je vais dire 42. Tu vas dire 42. Ouais, eh bien, c'était presque la bonne réponse. Donc, j'ai donné un indice. Bien évidemment, la réponse ne comptera pas. Un premier indice, c'est un rapport avec Duel Links. Et actuellement, en tout cas. Et le deuxième indice, si tu n'as toujours pas, c'est Zulu. Alors, je ne regarde pas Zulu. C'est dommage. Donc, c'est déjà, je ne l'ai pas. Et Duel Links, mis à part mon deck amazonais, j'en ai rien à foutre. Ah bah, dans ces cas-là, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire. En effet, c'était Damarpi. Oui, je viens de voir, ouais, c'est Damarpi. Et oui. Ah, c'est pas simple. Hein. En tout cas, c'est Louise qui a la bonne réponse. Allez, bon, bah. On va passer à Astrocosmique. Moi, je peux scoop, c'est bon? Ouais, là, c'est du scoopage, là, en effet. On en a déjà perdu. Ah, non. S'il y a. C'est vrai, si Astrocosmique perd un point. Astrocosmique me suive, comme ça, au moins, il passe pas à la prochaine. C'est ça. Ah, c'est parfait. Un demi-point, je l'avais. Allez, Astrocosmique, sur quoi vas-tu tomber? Ah, oh, bah le tiens, quiz. Le Coury Quiz, forcément. Oh, putain, c'est pas possible. J'ai fait exprès, là. C'est une blague. Bon, bah, je vérifie, parce que c'est vrai que le Coury Quote qui est en vert ressemble beaucoup au Coury Quiz à l'envers. Allez, on va être parti. Donc, on va clear les buzzers. Le toggle n'est pas lock. Donc, vous êtes partis, les amis. Allez. Donc, à mon top, vous pourrez buzzer, bien évidemment. Je vais vous poser la question de combien y a-t-il de cartes sarcophages en TCG? Ah, Astrocosmique.
En TCG, ouais. Il me semble qu'il y en a 4. Tu dirais 4. Tu pourrais me les citer ? Je pourrais pas les citer. Je sais qu'il y a sarcophage doré. Je sais qu'il y a la piège sarcophage qui permet d'invoquer un magicien depuis le deck. Et les deux autres, je m'en souviens plus. Si, il y en a bien 4. Mais moi, je dirais 4. Alors, en fait, il y a en effet le sarcophage doré qui est une carte sarcophage. Il y a ouais. Le premier sarcophage qui est une piège, en effet, mais qui va te chercher justement le sarcophage numéro 2. Qui lui-même va te permettre d'aller chercher le sarcophage numéro 3 et qui va te permettre d'invoquer spécialement un zombie et non un magicien, qui est le pharaon. Donc d'accord. En effet, il y en a 4 et donc eh bien, tu gagnes 2 points. Oh punaise. J'ai fait au pif, je ne les connaissais pas du tout. Je me suis dit, je connais le sarcophage doré, c'est tout, et les autres, je crois qu'il y en a une autre. Ouf. Eh ben voilà, voilà. Il y a une égalité au niveau de la première place. Mais bien joué en tout cas à toi, Astro. On va passer à Mattel. Mattel, tu es là ? Oui, je suis là. Tu es là, tu es là. Ok. Alors par contre, Maro, on va la tourner. Tu peux au moins essayer de garder mon point. Ouais, éviter de le perdre, ce serait bien. Bon, le courrier trigo. Donc ça fait que tu vas pas perdre 2 points déjà. Mais tu peux gagner des points. Ouais, bah, je vais pas en mettre non plus. Alors, on sait jamais, hein. On ne sait jamais. Ah, Kuribo, attends, fait une intervention. Ah, d'accord, ok. D'accord, cette carte-là vient de sortir. Donc, on va faire, bien évidemment, référence à une carte qui est sortie récemment, qui va être le Drytron Mubeta Fafnir. Ouais. Et combien vaut son attaque divisée par la défense de l'ananas Naturia? Je sais même pas qu'il existait l'ananas Naturia. Ah voilà. Je connais absolument pas les Naturia. À tous les coups, ils vont avoir un truc genre zéro de défense. Ah non, bien voir. Évidemment, il n'y a pas de division par zéro. Faut pas non plus être mesquin à ce point-là. Combien ça vaut divisé par la défense du machin, okay. Ouais, l'attaque de Drytron Mubeta Fafnir est divisé par la défense de l'ananas Naturia. Et oui, on fait intervenir des nouvelles cartes avec des vieilles cartes. Une carte méta avec une carte fun, comme on pourrait dire. Je sais pas, je vais dire 2 au pif. Tu vas dire 2. Je connais pas du tout les stats de l'ananas. T'étais pas loin, puisqu'en fait, la défense de l'ananas, donc tu penses qu'il a 1000 de défense, si je comprends bien. Parce que bien évidemment, Drytron Mubeta Fafnir a 2000 d'attaque. Et en fait, il a 100 de défense. Donc la réponse était 100. Entre guillemets, tout simplement. Ok, bon, ben, raté. Ah, raté, hein, c'est dommage. Mais en tout cas, tu es qualifié pour la phase suivante. Donc on va perdre malheureusement eh bien, le Kuriver qui va être donc Louis. Donc on va pouvoir dire au revoir à Louis. Au revoir. Wow. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Et on va perdre bah, celui qui est juste en dessous. En fait, je crois que c'est les deux lignes du bas. Le quiz, Ouais, il va sortir. Le ici, c'est mort. En tout cas, les gars, éjectez tout mouche. Éjectez tout mouche. Au revoir. Allez, salut, messieurs. À la prochaine. Allez. Je reviendrai. C'est la maf qu'il préfère. Donc maintenant que donc on a nos participants, eh bien on va pouvoir passer à la phase 2. La phase 2 qui va faire intervenir donc les thèmes des différents joueurs, donc qui va être la phase qu'on appelle. Ah ouais, c'est travail dur. Hein. On fait le beau jeu. Alors par contre, évidemment, j'avais tout préparé sauf l'ajout de certains thèmes. Voilà, voilà. Donc pour les participants, bien évidemment, les compteurs sont à zéro. Donc, pour départager qui va être en premier entre Astrocosmic et Asa, il va y avoir une question de rapidité. Puis entre Mattel et Toumouche, ça sera pareil ensuite. Et ensuite, on va déclarer l'ordre, bien évidemment, entre vous. Donc ça sera entre Asa et Astrocosmic. Le reste, vous ne buzzez pas.
Donc, comme pour le Coury Quiz. Donc, je vais vous demander quel type de carte piège Yosenju n'existe-t-il pas en TCG ? Astro Cosmique. En TCG, il n'existe pas de piège Yosenju continu. Eh bien, bravo, bravo. En effet, il n'existe pas de piège continu Yosenju. Bravo, bravo. Et on sent que certaines personnes ont un peu subi mon Yosenju. Donc, ça sera Astro Cosmique le premier. Et donc, bah, maintenant, on va décider qui va être le premier ou le dernier. Hein, ça dépend de la vision qu'on voit. Entre Toumouche et Mattel. Donc, est-ce que vous êtes prêts Ouais. Donc, à mon top, ça va être quel est le type de carte magie absent dans l'archétype Assaut de l'air en TCG ? Toumouche. Bravo, bravo, bravo. Le fameux deck Sky Striker ou SS pour les intimes. Donc en effet, on a en terrain l'espace aérien, magie rapide par exemple, l'encre veuve en continu multirôle, en équipement base Hercule et en normal par exemple, à l'attaque. Bien évidemment, les noms sont donnés en français. Et les joueurs compétitifs, en tout cas ici, ne retrouveront pas forcément les noms habituels, puisque ce ne sont pas forcément les noms qu'on utilise. Donc, on parle d'attaque du coup, non plus, hein. Oui, aussi. Donc, le premier qui va choisir va être Astro Cosmique, ensuite ça va être Nico, dit Asa, puis Toumouche, puis Mattel. Donc, les adversaires, je vous conseille de vous mute. On va laisser d'abord Astro Cosmique. Alors, on va partir, bien évidemment, à un reload des points. Parce que, bon, commencer à 2 points, ce serait un peu abusé. Hop, et hop. Voilà. Donc, pour cette première phase, je vais expliquer un peu aux viewers comment ça se passe. Donc, il y a différentes enveloppes. Chaque joueur a une enveloppe. Bien évidemment, il y a aussi les joueurs qui sont absents. Et aussi deux enveloppes représentant des joueurs fictifs, puisque ça peut être pour 4, pour 8 joueurs en tout. Pour la phase 1. Le joueur ici, Astro Cosmique, va choisir donc une enveloppe, sachant que chaque enveloppe de la couleur qui se trouve devant son Kuribo va représenter son thème qu'il m'a donné en avance. Et il va choisir donc un thème, soit le sien, soit celui d'un adversaire. Donc il peut prendre tout simplement le sien pour sécuriser, soit piquer celui de l'adversaire pour embêter l'adversaire, potentiellement s'embêter soi-même. Il va avoir en tout une minute pour répondre au maximum de questions de ce thème. Si c'est un thème, enfin si c'est son thème, il gagnera un point par bonne réponse. Si c'est un thème adverse, quand je dis adverse, ça peut être le thème vert, rouge, gris ou rose, eh bien il gagnera 2 points. Par bonne réponse, bien évidemment pas de mauvaise réponse en cas de mauvaise pas de points perdus, je veux dire en cas de mauvaise réponse. Donc voilà, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt et je vais prendre mon enveloppe. Tu vas prendre ton enveloppe, donc on va le dévoiler tranquillement, qui est le thème l'univers Cybers ou le monde Cybers. Donc un thème assez générique et assez précis quand même. Donc je vais juste enlever donc ton enveloppe puisqu'on vient de l'ouvrir. Et donc est-ce que tu es prêt à répondre au maximum de questions sur ce thème ? Je suis prêt. Alors juste j'ai remarqué que ton micro coupait. Ah, mon micro coupe. Ok. Ouais, peut-être que c'est le sur Discord, tu sais, la sensibilité du micro. Ah, peut-être, peut-être. Alors, je vais essayer de régler ça. Est-ce que déjà sur le live, vous m'entendez bien ou est-ce que ça saccade aussi ? Parce que est-ce que c'est moi, quand j'écoutais sur le live, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci sur Discord que dans ces cas-là, après, sinon, tu peux essayer de régler le paramètre de mon micro. Alors, attends. Ouais. Voix et vidéo, volume de sortie. Je vais aller comme ça. Ouais, c'est vrai que j'avais peut-être mis un peu fort, en effet. Hop, voilà. Est-ce que tu m'entends mieux ? Là, c'est bon. Là. C'est bon. J'ai l'impression que ça coupe plus, ou alors que quand tu arrêtes de parler, donc c'est parfait. Ça marche. Donc, on est parti. On est parti pour les questions. Donc, tu peux passer. Tu as le droit, bien évidemment, une seule possibilité pour chaque question. Ouais.
Et en tout, tu as un certain nombre de questions. Tu peux aller jusqu'au bout, bien évidemment, comme tu peux ne pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. C'est pas que du vrai ou faux. Il peut y avoir. Non, il peut y avoir du vrai ou faux. Comme voilà, c'est pas des choix multiples. Ça peut être par exemple quelle est l'attaque du décodeur Bavala, par exemple. D'accord, ça marche. Très bien. T'es prêt ? Je suis prêt. Et stop. Qui créa le monde Cybers ? Le monde Cybers a été créé par les monstres Ignister. Oui. Combien y a-t-il d'Ignis ? Il y en a 6. Oui. Quel est l'Ignis amoureux de Aqua ? C'est le Terre. Ouais, je vais l'accepter, c'est Earth, en tout cas en VO. Oui, Earth. Non. Je ne sais pas en VF. VO, ouais. Quel est l'Ignis capturé par Gore ? L'Ignis capturé par Gore, bah, c'est Earth aussi. Exactement. Qui est l'ami humain de Aqua ? C'est Blue Maiden. Je connais pas son, mais c'est Blue Maiden. Ouais, exactement. En plus, c'est Blue Maiden et pas Blue Angel, etc. Oui. Exactement. Quel est l'archétype joué par Windy ? Je passe. Quel est l'Ignis le plus intelligent ? Lightning. Yes. Quel archétype Cybers utilise Revolver ? Les topologiques. Oui. Qui créa les Ignis ? Le père de Revolver, je connais plus son nom. C'est fini. C'était le docteur Kagami. Ouais. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Tu as donc 7 points, ce qui est déjà pas si mal. Et donc, la seule question que tu as passée, c'était l'archétype joué par Windy qui s'appelle Storm Rider, qui n'est toujours pas sorti en TCG, en fait. La dernière question, elle a compté, même si j'ai pas donné son vrai nom. Non, parce qu'en fait, le timing est passé à ce moment-là, en fait. Ah, ça coupe. D'accord, ça marche. C'est pas grave. Bon, mais après, t'avais 10 autres questions, hein, sinon. Ouais. Mais je prends mon temps tranquillement. Donc, le prochain, ça va être Aza. Aza, est-ce que tu es là ? M'entends-tu ? Ouais, j'ai une question. Est-ce que le compteur démarre au moment où on donne une réponse à la première question, ou est-ce qu'il démarre dès que tu poses la première question ? Dès que je commence à dire le premier mot de la première question. Ok, alors j'ai un peu de retard sur le live. Après, de toute façon, en fait, tu peux m'écouter par le biais du Discord, en fait. Oui. Et tu peux couper le live, ouais, puisque de toute façon, techniquement, tu n'en as plus besoin. Alors, si je me fais kick. quel thème veux-tu ? Apparemment, le chat dit qu'on ne m'entend pas sur Twitch. Ah, on n'entend pas Aza. Ou est-ce que c'est juste pour embêter, en fait ? Me fait censurer. Si, j'entends moi sur live. Ah. Bon, ok. Okay. Écoute, moi je vais tenter le beau jeu. Je vais pas prendre mon thème, mais je vais prendre l'enveloppe rose en bas à droite. L'enveloppe en bas à droite. Ah oui. Donc l'enveloppe en bas à droite, qui est un thème que j'ai moi-même proposé, puisque il manquait des joueurs. Ah, ah bah ouais. Et bah ouais, bah ouais. Qui est, tu vois, dans l'animé, il existe des cartes qui ont créé des sortes d'archétypes qui sont sortis en TCG, quasiment tous en tout cas, qui s'appellent les numéros. Ouais. Ah bah, t'as voulu jouer le beau jeu, hein, prendre une enveloppe rose en bas donc à droite. Le thème, c'est les numéros, c'est ça ? Les monstres numéros, numbers, c'est tout ce qui leur va avec. Ouais, ok. On va faire ce qu'on peut. Voilà, tu es prêt ? Ouais. Allez, let's go les amis, et on est parti. Quel est le numéro de Utopie ? 39. Oui. De quel attribut est numéro 5 ? Oh. Non. Quelle est la défense du numéro 42 ? 2100. Non. Combien existe-t-il de monstres numéros en TCG de type Aqua ? 10. Non. Vrai ou faux, il existe seulement 2 pièges numéros en TCG. Faux. Non. Quel est le nom de numéro 50 ? Mon cul sur la commode. Non. Vrai ou faux, il y a plus de numéros ténèbres que de numéros lumière en TCG. Tu peux répéter ? Il y a plus de numéros ténèbres que de numéros lumière en TCG. Exact. Ah, et on se termine exactement à ce moment-là. Par contre, on va arrêter le buzz.
Vas-y, j'avais encore 5 secondes sur... Ton micro qui a un peu coupé pendant la question. La mienne me semble. Mon micro ouais. Bah ouais. Pour la dernière. Moi, j'avais encore 5 secondes en plus sur mon... Bah, moi, c'est... Oh. Ça a coupé pour la dernière question, c'est ça, Astro? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a fait un peu comme... Un peu comme par rapport à la sensibilité du micro, comme tout à l'heure. Ok. Mais, voilà. Donc en gros, alors la dernière question, c'était il y a plus de numéros ténèbres que de numéros lumière en TCG. La réponse, en effet, c'était faux, puisqu'il y en a 44 en deux ténèbres et qu'il y en a 53 lumière. Alors on va faire un petit tour des horizons des questions que notre très cher Aza n'a pas répondu. Déjà, il a répondu correctement à deux questions, qui n'est pas son thème, donc il a 4 points. C'est pas si mal quand même. S'il vous plaît. Bravo. Mais ce qui n'est pas si mal, franchement, puisque alors, pour l'attribut de numéro 5, c'était Ténèbres, puisqu'il s'agissait du dragon chimère de la mort. Pour numéro 42, c'est le Tamahawk Galactique qui a 3000 de défense. Il n'existe que 3 monstres numéros en TCG de type Aqua, qui sont les numéros 21, 101 et C101. Pour les pièges numéros en TCG, en effet, c'est vrai, puisqu'il n'y a que augmentation habillée numéro et mur numéro. Et le nom du numéro 50, c'était le bateau noir de maïs. Ah bah oui, les thèmes ne sont pas forcément les plus simples. Mais qui joue ces cartes, putain? Ah ben, moi je les joue en tout cas. Et Kuribu me dit que lui-même les joue et que même Yugi les joue depuis que c'est non, sorti. Non mais Kuribu, c'est juste une voix dans ta tête. Alors en tout cas, t'as 4 points, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Faut pas critiquer forcément là-dessus. Faut pas désespérer. Exactement. Oui, oui, bah c'est le souci. Donc maintenant, on va passer. Petite note, juste, je viens de voir qu'il y a 3 cartes en fait qui s'appellent numéro et pas 2. Il y a augmentation habillée numéro, mur numéro et numéro de la gloire. Numéro de la gloire, mais c'est une magie ça, numéro de la gloire. Ouais, tu m'as pas dit des magies de piège ? Non, j'ai demandé 2 pièges. My bad. Voilà, voilà. On essaye de truander les points en plus de ce côté-là. Mais c'est le chat qui a des points, lui. Tout ça, parce que j'ai... Jusqu'au bout, hein. Il aime pas les Melfis de tout à l'heure. Après, il a raison, il a raison. Donc, on va passer à Toumouche. Toumouche, est-ce que tu es prêt ? Quel thème veux-tu ? Non, moi, je vais prendre mon thème. Le thème bleu. Le meilleur, puisque c'est bleu. Qui est donc le thème magicien pendule, les monstres magiciens pendules. Et ouais, ouais, ouais. Je présume que tu te doutes que magicien pendule, c'est vaste. Et que vu les questions que j'ai déjà posées. Il y aura des questions de merde, c'est pas grave. Tu es prêt ? Bien sûr. Donc le top, le chrono va commencer au moment où je commence la première syllabe de ma première question, je précise. Bien sûr. Et donc, quelle est la défense de Anna Chouflagrette ? 1005. Non. Quelle est l'échelle de Chacal Bête Mythique ? 4. Oui. Quel est l'attribut de Crapaud Mage Spectre au Gamma ? Ténèbres. Non. Quelle est l'attaque de Doriado des Ténèbres ? 1007. Non. Quelle est la défense de Endymion, le puissant maître de magie ? 1007. Oui. Quelle est l'échelle de Magicien 5 Arc-en-Ciel Pot Artiste ? Je sais pas, 5. Non. Quel est le rang de magicien de l'espoir ? 4. Oui. Quelle couleur est la cape de magicien noble dragon ? Noble dragon, putain, t'as pas la carte en rose. Elle est, putain, les bleus, non ? Non. Quelle est l'attaque de magicien poison violet ? 1002. Oui. Quelle est la défense de magicienne de l'harmonie ? 0. Oui. Quelle est l'échelle pendule de maître Cerbère bête mythique ? Ah, 4. C'est fini. C'est fini. Et non, ça a bipé juste avant. C'est dommage. C'est aussi, tu parles trop lentement. Mais ce qui te fait quand même un score de 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est déjà pas mal. Tu dis bête mythique, c'est bon, ils ont tous 4. Donc tu as 5 points. Donc on va faire un petit tour sur les questions que tu as ratées. Donc la défense de Anna Chouflagrette, sortie là aussi récemment, c'était 0. Pour ce qui est de Crapaud Mage Spectre Ogama, il est vent. Doriado des Ténèbres à 1800 d'attaque, Magicien 5 Arc-en-Ciel Pot Artiste et d'échelle 12, tandis que la cape de Magicien de Noble Dragon est blanche.
Un noble dragon, faut que je... Ah putain, mais noble dragon, je suis trop con, y'a pas de soucis. Ah bah de toute façon, non, y'a pas de soucis. Hein. J'assume que je suis trop con, c'est je un le petit savais peu tard, en plus. Ouais, ouais, mais je suis trop con, je le savais en plus. Voilà, voilà. Donc on va dernier au dernier participant, Mattel. Yes. Donc quel est le thème qui te donne le plus envie? Mattel qui sponsorise les jouets, hein. On se rappelle bien sûr. Toujours. Bah, vu la gueule des enveloppes, des thèmes que toi tu avais choisi, je vais prendre le mien. Alors, sachant que pour je serais nul et humilié. C'était, il n'y en avait que un que j'ai construit. Après, c'était principalement des joueurs, soit qui sont là, mais qui n'étaient plus là maintenant. Soit qu'ils n'ont pas pu venir d'un empêchement. Donc, tu prends l'enveloppe jaune, donc, c'est-à-dire l'archétype automate, qui est un peu ton archétype de cœur. Donc, tu n'as pas intérêt de te rater, hein, parce que sinon, honte sur toi. Hein, La fenêtre est déjà ouverte, hein, si jamais je me foire. Très bien, très bien. Ça marche. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. Ça marche, super. Eh bien, on est parti. Combien y a-t-il de monstres X6 automates en TCG? En TCG, il y en a 1, 2, 3, 4. Oui. Quel type de carte magie est clé légendaire des automates? Rapide. Oui. Comment s'appelle cet archétype en OCG? C'est pas du tout en anglais, c'est Wind Up, mais en OCG, je sais pas du tout. Ok. Quel attribut n'est pas représenté dans l'archétype? Lumière. T'as dit quoi? Lumière. Lumière? C'est attribut, tu m'as dit? J'ai dit attribut, oui. Ouais, je dis lumière. Ok. Et donc, non, c'est faux. Comment s'appelle le seul monstre machine hors extra deck? Zen Maintenance? Non. Seulement... Ah, non, machine hors chauve-souris. Oui. Vrai ou faux, Usine des automates est une carte terrain? Faux. Oh. Exact. Quel est le type du lapin automate? Bête guerrier. Oui. Quelle est la défense du requin automate? Ah, stop. Ouais, je sais plus. C'était 1300. 1300, ouais. Donc l'archétype en OCG, ça s'appelle Zenmai. Et l'attribut qui n'est pas représenté à l'archétype, alors c'était une question un peu piège, puisqu'en fait, quasiment tous les archétypes y sont, enfin tous les attributs, sauf le un, qui est le divin. Le divin. Voilà, voilà. C'était la petite question piège. Ok. Évidemment, on est tombé sur une égalité, sinon ce serait pas drôle. Après, moi, je me suis fait voler une question. Hein. Oh là là! Eh bien, je vais, je pense, tout simplement poser pour départager une question à Tomouche de son thème, puis une question à Mattel, etc. Vous n'aurez pas de timer ni rien, ça sera assez rapide en tout cas que vous devrez donner une réponse, mais sur vos thèmes respectifs. Non, c'est je peux poser la question que tu aimes poser du coup? Alors non, ce sera une question au hasard sur tout le risque. Alors, ce ne sera pas buzzer, ça sera juste Tomouche, ça sera son thème, et toi, Mattel, après, ça sera ton thème. Et si vous avez gagné tous les deux un point, ou si tous les deux, vous n'avez pas perdu, vous avez pas gagné de points, bah, on recommencera, etc. Et si on dépasse Astro, on le dit, on le vire au pire, on va tous les deux en finale. Ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Et pour vous départager, messieurs, Astro Cosmique est déjà tout en haut, là, c'est pas possible de l'avoir. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Tomouche, combien a-t-il de monstres pendules magiciens qui sont sur la ban list actuellement en TCG? Sur la ban list, alors laisse-moi réfléchir. En banni, c'est très simple. En banni, on a Astrographe, on a Plushfire, on a Skullcrobat, on en a un quatrième, que j'ai oublié son nom, le Mage Inspecteur. En limité, on a Double Iris et on a la Servante d'Antibion, je veux dire 6. Tu dirais 6, et bien la réponse était en effet 6. Let's go. En effet. Oh. Donc déjà, Tomouche prend un peu l'avantage. Aïe. Mattel, t'as pas intérêt hein, si tu veux tenter ta chance en finale. Hein. Donc je vais te demander, en quelle année est sorti Zen Maintenance Automate? Zen Maintenance 2018. Tu dirais 2018, eh bien c'était une bonne réponse. Ouh là 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 là. Eh bien dis donc, on a des personnes qui maîtrisent bien leur thème là apparemment. Donc tout le monde, à toi. Combien y a-t-il de monstres magiciens pendules fusion? Zéro. Exactement, c'était zéro. T'es pas tombé dans le piège, c'est bravo à toi.
Bravo à toi. Mathel, donc on va rester sur nos années, tu vois. Puisqu'il paraît que Automate a été un peu méta, fut un moment. Eh bien, je vais te demander en quelle année Transporter ZenMighty Automate fut-il banni la première fois ? J'hésite entre deux. Ah, tu fais la moyenne au pire. Je te demande juste l'année, hein, je te demande pas le mois. Non. La première fois, c'est pas, je vais dire 2013. Eh bien, une personne ici est chaud, hein, franchement, c'était ça, c'était 2013. C'était 2013. Surtout qu'on a certaines questions qui sont un peu plus difficiles que d'autres, là, dans des quiz. Là, en effet. Donc, Toumouche, quel monstre bête mythique pendule a la plus faible défense ? Putain, défense ? Ouais. Laisse-moi réfléchir. Je dirais Méduse bête mythique. Donc Méduse bête mythique. Dans tous les bêtes mythiques pendules. Alors attends. Je précise bête mythique pendule. Hein. Ouais, bien sûr. Putain, je sais plus combien elle a Méduse. Il me semble qu'elle a... Non, c'est pas Méduse. Méduse, elle a 1005. Petit Chacal, il a 1002 de défense. Garuda, il a 1006. Non, je change de réponse et je veux dire Bachilisk bête mythique. Donc tu dis Bachilisk maintenant. Ouais. C'était la dernière bafouille. C'est mon ultime bafouille. Et bien en effet, c'était Bachilisk que tu avais raison de changer à vraiment dernière microseconde. Mattel, on va changer. Je vais arrêter de te poser des questions sur le calendrier, parce que franchement, le calendrier, c'est bien, mais ça va. Combien y a-t-il de monstres automates dont l'attribut est feu ? Main deck et extra deck. Main deck, extra deck. L'attribut est feu. Alors là, ça va être complètement au pif. Allez, je vais te dire deux, mais je sais plus du tout. Eh bien, c'était deux. Allez. Eh bien, donc nos participants ici veulent arriver sur à la finale, hein, au coûte que coûte. Il y a rien à gagner, les gars. Hein. Le mouche. Peut-être que c'est là où on va voir un peu que les Athéniens s'atteignirent. Hein. Combien y a-t-il de magiciens, pendules, nécroses ? Nécroses. Il y a les Shadol qui y sont. Après, est-ce qu'il y a deux Shadol ? Non, il n'y a pas que les Shadol, putain. Ah si, Nécrose, je suis trop con. Attends, quoi ? Nécrose ? Nécrose. L'archétype Nécrose. Je suis en train de réfléchir à Nécrose. Nécrose, c'est quoi ? Attends, je confonds avec quel archétype Nécrose ? Mais Nécrose, c'est les rituels. Nécrose. Nécrose. De magicien pendule, Nécrose. Attends. Comment il s'appelle l'archétype Faut que je retrouve un archétype de merde. Zephra. Putain, je confonds avec Zephra, pas du tout. Nécros, il y en a pas. Tu dirais donc qu'il y en a zéro. Parce que je te demande un chiffre. Ouais. Il y en avait un. En effet, il y en a un. En fait, il y a deux magiciens pendules, Maria de l'ombre. Il y en a un qui est Zephra. Il y en a un qui est Nécrose. Okay, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il n'y en a qu'un qui est Nécrose qui partage son attribut, enfin son archétype avec Marionnette de l'ombre. Ah, Mattel a peut-être une chance de partir en finale. Allez, on va essayer. Donc, tu vois l'escargot automate sur sa carapace, tu vois du blanc. Mais quelle est l'autre couleur qu'on voit sur sa carapace ? Violet ? Eh bien non plus, c'était rose. Violet, soit rose, soit violet. J'ai eu un gros doute, c'était soit rose, soit violet. Ça n'en finira jamais. Ça n'en finira jamais. Au bout d'un moment, il faut arrêter parce que j'ai pas 150 milliards de questions. Le stream mardi 23h. C'est ça. Allez, Toumouche, quel animal a inspiré la sorcière capricieuse potartiste ? Eh ? Il existe une carte qui s'appelle Sorcière Capricieuse Potartiste. Comme tous les potartistes, il y en a pas mal qui ressemblent à des animaux. À quel animal ressemble-t-elle ? J'en ai aucune idée, je sais même pas quoi elle ressemble la carte. Donc franchement, avec tout le cerveau que je sais faire, je vais dire un chat. Donc c'est ta dernière réponse. Un chat. C'est mon ultime bafouille. Eh bien c'était la bonne réponse. Je suis trop fort. Eh bah purée. Finalement, je pensais que ça pourrait durer. Il y a des baies allumées à côté. Hein. Ça. Je ne veux pas dire, mais ça fait plus qu'une heure hein, quand même hein, avec ces questions.
Allez, quel attribut ne trouve-t-on pas dans les monstres automates de l'extra deck, mon très cher Mattel? L'attribut ne trouve-t-on pas? Dans les monstres automates de l'extra deck. Tu veux encore me sortir divin ou une connerie comme ça? Alors, autre que divin, oui, je précise, autre que divin. Excuse-moi, c'est vrai, oui. Dark. Vous m'embêtez, messieurs. En effet, c'était Dark, puisque les Xyz ont les attributs de base feu, eau, terre et vent, et la Link et lumière. Allez, Toumouche, de quel archétype autre que potartiste, yeux impairs et magicien fait partie le sorcier souriant potartiste? Le sorcier souriant potartiste? Ouais. Il fait partie d'un autre archétype que tout ce bordel? Que potartiste, yeux impairs et magicien pendu. Alors attends, là je vais être énervé, mais attends, quoi? Pas un magicien pendu? C'est pas un magicien pendu, il y a sorcier dans son nom. En fait, il fait partie plus ou moins à cause de son texte qui, dans son texte, il fait faire référence. Ah, à cause de son effet, super. Alors bouge pas, je réfléchis. Sorcier souriant potartiste, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Sachant qu'il est potartiste. Eh ben attends, potartiste, ben performage. Enfin, je sais pas, attends, putain, comment il s'appelle? Majartiste. On n'a pas les performages. Donc tu dirais majartiste. Ouais. En français. Eh bien non, c'était de l'archétype souriant, tout simplement. Je me fous en l'air. Archétype où il n'y a qu'un seul monstre, si je ne dis pas de bêtises, mais quelques magies. Justement, c'est pas un archétype. Ah ben si, c'est un archétype dans lequel il n'y a qu'un seul monstre et quelques magies. Par exemple, le Skystriker, c'est exactement ça. Il y a deux monstres. Au début, il n'y en avait qu'un. Au départ, il n'y en avait c'est qu'un seul dans le main deck. Allez, Mattel, vrai ou faux? Il existe un monstre Xyz automate qui demande au moins un automate comme matériel. Demande au moins un automate. Alors quand je dis au moins, c'est principalement s'ils demandent deux matériaux, ils demanderont deux matériaux automates. S'ils demandent trois, ce sera trois automates, etc. Un monstre Xyz, hein, tu m'as dit. Oui, un monstre Xyz. Faux. Eh bien, c'était en effet faux. En effet, enfin. Je vais sortir par un article existant. Mais ça en 2012. Hein. Non, non, il méritait plus. Il a eu les dates et tout, il méritait plus. Avec le duel qu'on a fait, c'est bon, on les a ruinés les deux autres. Là. Non, c'est bon, allez, ça dégage. Là, les autres, on nous fait le final. Là. Non, bien joué. Franchement, bien joué. C'était chaud. Hein. Franchement, je pensais pas que vous auriez autant de réponses sur vos thèmes, surtout que c'était les toutes dernières questions les plus compliquées techniquement. Il y en a quelques-unes qu'on a volées quand même. Hein. Ah oui, bah, des fois ça arrive. Hein. Ça marche. En tout cas, je vais vous laisser donc Toumouche et Aza tout simplement nous dire au revoir. On se reverra une prochaine fois. Et on va se retrouver en finale avec Astro Cosmic et Mattel. Bon, hop. GL. Bon courage. Bon courage à nos très chers participants finalistes. D'ailleurs, il me manque mes enveloppes. Bon, bah tant pis, vous n'aurez pas vos enveloppes, c'est pas grave. Il n'y aura pas les enveloppes représentées. Donc, la finale, la toute dernière finale. Tout simplement, vous allez avoir le timer, comme tout à l'heure, une minute. Vous allez avoir en tout 4 thèmes, donc sur les 4 thèmes qui vous restent. Ouais. Et donc Astro Cosmic qui avait le plus de points, même si, au départ, hein, parce que c'est vrai qu'avec Mattel, vu qu'il a gagné quelques points, techniquement. Il a 17 points là, c'est à peu près ça. Ça va être d'abord Astro Cosmic qui va imposer un thème à Mattel, puis Mattel va imposer un thème à Astro Cosmic. Ça sera la première phase de la finale. Et la deuxième phase, ça sera Mattel qui imposera un thème à Astro Cosmic, et Astro Cosmic qui imposera un thème à Mattel. Tout simplement. D'accord. Donc, les 4 thèmes qui nous restent sont des thèmes proposés principalement par des joueurs qui étaient un peu chauds, un peu aussi chauds que vous, qui sont donc, comme le premier, qui va être l'archétype Amazoness. Il y a aussi comme thème les banlistes TCG et OCG. Un thème un peu spécifique, hein, mais... Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Si on fait du TCG, on fait aussi de l'OCG.
Et les deux derniers thèmes se ressemblent, mais beaucoup, beaucoup, puisqu'il y a un thème qui va parler de l'anime GX, et l'autre va parler du manga GX. D'accord. D'accord. Et donc là, je dois donner un thème pour Mattel. Tu vas donner un thème pour Mattel, et ensuite Mattel va donner un thème pour toi. Et après, on va faire donc... Bah, je vais lui donner le thème... Je réfléchis un coup quand même. Amazones, l'ébaniste ou l'art des GX. Je vais lui donner le thème Amazones. Tu vas donner le thème Amazones à Mattel. Très bien. Et Mattel, tu vas lui donner quoi comme thème astrocosmique? Alors, rappelle-moi, il reste quoi du coup? L'ébaniste, TCG, OCG, le manga GX et l'anime GX. Ouais, pour l'ébaniste. L'ébaniste pour astrocosmique. Ensuite, donc, tu vas choisir un autre thème à donner à Astrocosmic. Donc, soit l'anime GX, soit le manga GX. Allez, l'anime. Tu lui donnes l'anime, et donc Astrocosmic, tu as beaucoup de choix, hein, puisque tu vas lui donner forcément le manga à Mattel. Ouais, le manga. Bah, entre les deux, là, soit l'anime ou le manga. Ouais. Voilà, voilà. Donc, tout simplement, je vais d'abord commencer par Astrocosmic. Je vais lui donner tes deux thèmes successivement. Comme ça, on va directement faire l'addition. Ouais. Alors, tu auras une minute pour le premier et une minute pour le deuxième. Tu me diras lequel que tu veux commencer. Et une fois qu'on aura fait tes deux thèmes, on va faire les deux thèmes de Mattel de la même façon. Donc, okay. Tu veux commencer par quel thème ? Banlist ? Je veux commencer par l'anime GX. Tu veux commencer par l'anime GX, très bon thème, qui était le thème de Asa, je ne pointerai pas du doigt. Non, excuse-moi, je confonds complètement. L'anime, non, c'est pas du tout ça. C'est pas Asa, c'est Louis. C'est l'anime. En effet, le manga, c'était Asa. Spoiler alert. Donc, tu as proposé donc, de prendre au départ l'anime GX. Donc, tu as une minute pour faire le plus de questions. Ça sera un point par question. Ok. Enfin, par bonne réponse. C'est parti ? C'est parti. Quelle est l'entreprise qui s'occupe de la diffusion de l'anime hors Japon ? Passe. Combien y a-t-il de saisons de GX en OCG ? 4. Oui. Vrai ou faux ? Cyrus Truesdell finit Blue Obelisk à la fin de la saison 3. Vrai. Faux. Comment s'appelle la responsable du dortoir des Bleus ? Des Bleus, c'est le docteur Crawler. Alors, la responsable. Ils sont deux. Passe. Qui donne gratte-ciel de Ville du Héros à Jaden ? Passe. Quelle carte a créé Charlie dans la saison 1 ? Passe. Combien y a-t-il de cavaliers de l'ombre ? 3. Faux. Comment s'appelle le chat du professeur Banner ? Je sais pas, passe. Vrai ou faux, on voit dans GX apparaître Joey, Kaiba et Yugi. Faux. Exact. Contre qui donne Zalouk faire duel ? Ah, c'est fini. Ça la ramasse. Donc, déjà, tu as deux points. J'en aurais pas fait plus, je crois. Tu as deux points, donc on va faire un petit bilan au niveau des questions. Donc, l'entreprise qui s'occupe de sa diffusion hors Japon, c'était 4Kids Entertainment. J'aurais accepté 4Kids, tout simplement. Forcément. Pour Cyrus Truesdell, il ne finit pas Blue Obelisk, en fait. À la fin de la saison 3, en fait, on le voit apparaître Blue Obelisk au début de la saison 4. La responsable du dortoir des Bleus, c'est Fonda Fontaine, en compagnie de Crawler, qui est plus le vice... Le vice-doyen. Ouais. Celui qui donne gratte-ciel, c'est Charlie, à Jaden. Dans la saison 1, il crée justement Aïe Rocher du Soleil Levant, qui lui permettra d'avoir une place auprès de Pegasus. Ouais, il y a 7 cavaliers de l'ombre. Et le chat du professeur Banner s'appelle Pharaon. Petite référence d'ailleurs à Duel Monster. J'aurais dû revoir l'anime GX parce que vraiment, hein, c'est le seul anime avec Vrains que j'ai vu en entier. C'est dommage. Et donc la question sur le buzzer, c'était contre qui Donzalug fait un duel. Donzalug, qui est l'un des Cavaliers de l'Ombre, il faisait un duel contre Chad Princeton. Bon, donc tu as déjà deux points, c'est déjà deux points, hein. Faut pas renier. C'est toujours ça. J'espère que... Le duel va être moins épique que le duel de... le duel de points, peut-être.
Donc, astrocosmique, on va faire ton deuxième thème, hein, imposé. Les bannistes. Les bannistes TCG et OCG, les différences, les ressemblances. Ouais. Et top, quel est le mois et année de la limitation du dragon blanc Destruvivre en TCG ? Destruvivre en quoi ? En TCG. En TCG, Destruvivre, je sais, janvier 2020. Non, c'était juillet 2019. En quel mois, année, malveillant, héros de la destinée est-il sorti de la banliste pour la dernière fois en TCG ? Je passe. Vrai ou faux, Titan Dragon du Tonnerre a été banni en même temps que Orcus Tower de l'Harpe ? Colossus, oui, vrai. Alors, non, j'ai dit, pas Titan, non, faux. Exact, non, c'est faux. Titan. Avant, la dernière banliste, Force Chaos d'Argent Magie Rang Plus était bannie, limitée ou semi-limitée en TCG ? Elle était ban. Exact. Vrai ou faux, Plumeau d'Amarpie et appelé par la tombe ont été limités dans la même banliste. Vrai. Exact. Est-ce que Lotus de Samsara est banni, limité, semi-limité ou hors banliste en TCG ? Hors banliste. Et faux. Oh. Et c'est fini. Elle est bannie, le Lotus de Samsara. Elle est bannie. Donc ça te fait 3 points. En plus, donc tu es à 5 points sur deux thèmes qui ne sont pas forcément les plus simples. Donc, pour le Dragon Blanc Destruvivre, en fait, c'était juillet 2019. Alors, j'aurais toléré, bien évidemment, été 2019, hein, puisqu'on n'a pas 150 banlistes en été, en printemps, en automne, etc. Pour Malveillant Héros de la Destinée, c'était octobre 2019. En effet, pour la question de Titan, c'était un piège. C'était Colossus et pas Titan. Eh oui, non, mais je me suis fait avoir en plus. Et ouais, après, le reste, tu l'avais. Donc, en effet, GG à toi. Tu n'es clairement pas tombé dans la petite piège glissée en plein milieu. Sachant que finalement, tu n'avais aucune question, vu la vitesse des réflexions de l'OCG. Donc, ouais. En tout cas, pour le moment, parce que si on a égalité, il va falloir refaire des trucs magnifiques. Donc. Donc, Mattel, tu veux commencer par quel thème ? Le manga ou Amazoness ? On fait Amazoness déjà, on va faire dans l'ordre. On va faire Amazoness, très bien. Eh bien, top, quel est l'attribut des monstres Amazoness ? Terre ? Oui. De quelle couleur sont les yeux de la tigresse Amazoness ? Vert. Oh. Combien de personnes y a-t-il sur Scout Amazoness ? Combien de quoi ? De personnes. On peut voir sur l'artwork de Scout Amazoness. Scout Amazoness, 5. Faux. Combien de monstres différents Amazoness y a-t-il dans l'extra deck ? En TCG. Aucune idée, 4. Faux. Quelle est la défense de épée Amazoness ? Putain. 500. Faux. Quel est le niveau de la reine Amazoness ? Reine Amazoness, 6. Oui ! Quel monstre voit-on sur Volonté Amazoness ? Je sais même pas ce que c'est, je sais pas. Quel personnage de l'animé Duel Monster joue Amazoness ? Duel Monster ? Ouais, dans Duel Monster. T'as dit ? Ouais, dans Duel Monster. Oui. T'as dit ? Alors, excuse-moi, ton micro, Saka, t'as dit quoi ? Ah, pardon, j'ai dit Mai. Oui, exactement. Vu les microsecondes qui te restaient, je pense pas que tu aurais... Ouais, non, t'inquiète. Eh bien, tu as eu 3 points, voilà, c'est déjà pas mal sur Amazoness. Donc, petit bilan, donc combien y a-t-il de personnes sur la carte Scout Amazoness ? Il y en a deux petits-enfants. La tigresse Amazoness a un seul œil bleu, l'autre est, a une cicatrice, mais on le voit quand il est jeune dans Bébé Tigre Amazoness, plus précisément. Il y a deux monstres différents Amazoness possibles dans l'extra deck. Épée Amazoness a 1600 de défense, et dans Volonté Amazoness, on aperçoit le paladin, enfin, la paladine Amazoness. Paladin Amazoness pour le nom de sa carte. Ça te fait déjà 3 points, donc il te suffit d'avoir juste 2 points au moins pour égaliser, et 3 points si t'es chaud. Le manga GX, chose que tout le monde connaît par cœur. Tu pourras... Donc Amazoness, c'était le thème de Twix Gauche, pour si tu veux le clasher hein, en privé. Et manga GX, c'était... Asa. Donc le manga GX, eh bien top. Quand sort pour la première fois le manga Yu-Gi-Oh! GX en manga ? 2008. Faux. Dans quel magazine est-il diffusé au départ ? En France. Faux. Combien de tomes y a-t-il ? Okay, pardon. Combien de tomes y a-t-il ? 9 ? Oui.
Quel est le Ace Monster de Judai dans le manga? Terre ferme. Oui. Comment s'appelle la personne qui a appris le jeu de cartes à Judai? Je ne sais rien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Shingo, passe. Comme ça. Qui donne la carte Kuribu ailé à Judai dans le manga? Yugi, toujours? Non. Monsieur Ryuga est un nouveau professeur au début de l'histoire qui doit affronter 50 élèves, dont Sho. Combien de duels a-t-il fait avant d'affronter Sho? Je ne sais pas. Quel surnom donne Sho à Judai? Je ne sais pas non plus. Quel monstre permet à Judai de vaincre Manjumi au chapitre 3? Et c'est fini. Je sais pas. Eh bien, encore une égalité, mais messieurs, on va jamais s'arrêter ce live, c'est pas possible. Donc, le manga est sorti en première fois en 2005 et était diffusé par V-Jump, tout simplement, le magazine. Il n'y a aucun magazine qui s'appelle France. La personne qui a appris le jeu... C'était sorti dans un magazine en France ou pas? D'accord. Il demandait si c'était en France ou autre. J'avais pas compris. Donc, la personne qui a appris le jeu de cartes à Judai est la même personne en fait, qui a donné la carte Kuribo Ele dans le manga, qui est différente donc, de l'anime, qui est Ibiki Kuyu. Ou Koyo. Oula, okay. Ouais, j'ai hésité, et puis finalement, non. T'aurais pu le décrire, tout simplement, ça me suffisait. Ouais, qui est un ancien champion de Yu-Gi-Oh! Dans le manga. Il l'a fait, donc Monsieur Ryuga, il a fait 45 duels avant de combattre Sho. Et Sho donne à Judai le surnom en anglais Big Bro. Tandis que Judai vainc Manjube, donc c'est-à-dire Jaden réussit à vaincre Chad Princeton dans le manga grâce à Kuribo et les LV10. Voyons, on est dans le Kuri Club, forcément, Kuribo devait intervenir. Soit un héros masqué, soit un Kuribo. Là. Bon, bah, encore une égalité, donc on va tout simplement faire une question de chacun des thèmes à chacun. Donc, sans timer ni rien, donc Astro Cosmic. Ouais. On va commencer par donc, le thème banlist. Hein. Ouais. Quel monstre ésotérique est banni en TCG? Monstre ésotérique? Ouais. Ça existe, hein. Il existe trois monstres ésotériques en TCG, et dont une qui est bannie en TCG. La magicienne des clés ésotériques. Eh bien non, bonne tentative, c'était le scientifique ésotérique. Oh, je l'avais pas du tout, ça. Okay. Ah oui, il y a marchand ésotérique, etc. Exactement, et il y a eu le dernier récemment, le sort de chameau, dont j'ai oublié le nom. Mattel, dans l'archétype donc Amazoness, quel est l'équivalent allemand de cet archétype? Comment appelle-t-on en allemand l'archétype Amazoness? C'est quoi? Ah, vu que t'es pas très doué en japonais, etc., on te fait un peu d'allemand, tu vois. Non, non, mais je suis pas plus doué en allemand. Hein. je sais pas, je veux dire je sais pas, Amazon, juste A-M-A-Z-O-N. Eh bien, t'y étais prêt, c'était Amazonish. Tu vois. Okay. Donc, on va repartir à Astro pour le thème GX animé. Ouais. Comment s'appelle le vice-doyen de Vegan Crawler quand lui-même est doyen? Mais oui, c'est le petit nain là avec les. Ah putain, non, je n'ai pas son nom, je sais pas. Non, je sais pas comment il s'appelle. Attends, je prends un peu de la réflexion quand même. Hein. T'as le droit à soit le nom français, soit le nom OCG. Je vois sa tronche en plus. Je vois sa tronche en plus. Il a une tête de con, mais d'une puissance. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Eh bien, c'était alors en OCG Napoléon et en français c'était Wellington. Ouais. Je pensais que c'était un nom qui était tout raccourci, mais non. Bah, c'est tout raccourci, c'est Wellington tout simplement. Ouais. Mon très cher Mattel, bah, cette fois-ci on va faire le manga, hein, forcément. Ouais. Quel archétype joue Axel Brody dans le manga? Axel Brody. Axel Brody, c'est. Oui, c'est chez Pocaré là. Qu'est-ce qu'il joue? Je précise le manga, hein, pas l'anime. Ouais. Justement, il y a des images de l'anime qui viennent parasiter. Et ouais.
Qu'est-ce qu'il joue, salopard ? Je sais ce qu'il joue. Eh bien, c'était Electro. Aïe, 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 cette fois-ci, on n'a pas un duel au sommet. Ça existe, hein ? Eh oui. What en anglais ? Ouais, oui, c'est... Bon, alors, on est reparti. Eh bien, cette fois-ci, vu que vous avez tous vos thèmes, ça va être un thème dans le même ordre. Et ça sera tout simplement au premier thème que quelqu'un a une bonne réponse. On finit bien évidemment le round. On aura fini. Pour y courter un peu le live. Donc, pour la banliste, très cher Astro. Tu te rappelles, tout à l'heure, je parlais d'ésotérique. Ouais. Ça se Eh bien, donc il était banni en TCG, je te posais. Et donc là, la question que je vais te poser est assez simple. C'est quelle est la date complète, précise, donc jour, mois, année, de la sortie de la prochaine banlist TCG d'après le site officiel ? Ah, oui, oui, le... alors... C'est le 1er juillet 2021. Oui. J'ai eu peur que c'était la question de CG. je suis mort. Je suis mort. Mattel. Oui. Quel animal voit-on combattre des Amazones sur l'artwork de Assaut Amazones ? L'animal on voit combattre sur ce truc. C'est quoi ? C'est aussi c'est qui joue Amazones en vrai ? Alors, Amazones, il y a Maï qui joue... Qui combattent les Amazones ou qu'on voit juste combattre sur la carte ? Sur la carte, sur l'artwork, en fait, on voit des Amazones combattre un animal. D'accord, donc ça ne dit pas si elles les affrontent ou si les bestioles sont avec elles. Ah, non, elles les affrontent, elles les affrontent. Il y a un affrontement. Les affrontent, ok. Je sais pas, des ours. Eh bien non, c'était plein de réponses, mais malheureusement, c'était pas ça, c'était un canidé. Donc tu pouvais me dire un chien, un loup. Canidé, c'était des... Ah, exactement, c'était un chien. Eh bien, donc notre vainqueur d'aujourd'hui, c'est Astro Cosmic, hein, qui a réussi à retrouver la date TCG, qui connaît pas le monstre scientifique ésotérique, mais qui connaît la prochaine date théorique, bien évidemment, de la banliste en TCG. Donc le véritable Kuribro de cet épisode... Eh bien, c'est Astro Cosmic, hein. Les autres, eh bien, vous êtes des couribos, tout simplement, pas des couribros. Des courigros, ouais. Ou des courigros, en effet, la couridépression. Bien sûr, genre, il a une question sur un truc que tout le monde attend, donc tout le monde a la date. Moi, j'ai un vieux chien. En même temps, c'est vrai que tu as eu un thème de caca sur l'Amazonès. Après, juste pour savoir, on va tenter donc ton autre thème, voir si tu as pu te... un peu plus de défense. Donc qui est, donc, si je me souviens bien, le manga. Donc, comment s'appelle l'âme sombre scellée par les prêtres du Millennium dans le manga GX ? Ouais, bon, bah, c'est bon. Ouais, bien joué, Astro. Voilà. C'était en fait Tragedia, qui est un monstre sorti il y a quelques années maintenant en TCG. Okay, c'est okay, un cool. Petit monstre. Enfin, tu m'as donné l'anime. Au lieu du manga, je me suis dit, c'est bon, je devrais m'en sortir. Si tu m'avais donné le manga, c'était impossible que je gagne. Ouais. Bah, en fait, je t'avoue que j'ai dû lire le manga une fois et voir l'anime une fois. Donc, je me suis dit, bah... Ah ouais. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça aura plu, en tout cas comme live, que ce soit au niveau des spectateurs ainsi que les participants, même si certains ont été éliminés très rapidement. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour un épisode numéro 2. Allez, au revoir les amis. C'est pas